Sur le terrain, pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire, le professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, accompagné du secrétaire d'État au ministère des enseignements secondaires en charge de l'enseignement normal supérieur, Boniface Bayaola, était en Balmayo dans le département du Nyon-Issou ce 5 octobre 2020, jour de la rentrée scolaire 2020-2021. La ministre des enseignements secondaires a visité 6 établissements scolaires, à savoir les Nièges de Balmayo, le lycée de Balmayo, le lycée technique, le collège Saint-Cœur de Marie de Balmayo, le lycée technique de Balmayo Newton et le lycée bilingue de Balmayo. Dans ces différents établissements, le professeur Nalova Lyonga a fait le tour des salles de classe, question de confirmer le démarrage effectif des cours, la présence effective des élèves et surtout le respect des mesures barrières contre la COVID-19. Madame la ministre, tout au cours de la visite que nous avons effectuée ce matin, nous avons remarqué que la vie reprend dans les établissements, la vie reprend même dans notre cité. Les enfants sont enthousiastes, la distanciation est respectée, les enfants ne sont pas à plus de 50 dans les salles de classe. Et là, ça permet que l'éducation que nous allons donner à ces enfants soit de meilleure qualité en termes d'encadrement. L'autre chose, l'autre défi, c'est la coopération avec les parents, pour qu'ils puissent, dans les villes où les enfants auront la mi-temps, suivre les enfants pour l'école à travers la télévision ou par leur laptop. La ministre des enseignements secondaires a également prodigué des conseils aux élèves, rappelé donner des consignes aux chefs d'établissement ainsi qu'à leurs collaborateurs. Au lycée technique de Balmayo, le professeur Nalova Lyonga a visité le centre multimédia entièrement équipé en ordinateur de pointe. La cour du lycée bilingue de Balmayo a servi de cadre à la cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire, dernière étape de la visite de la ministre des enseignements secondaires. Pour joindre l'utile à l'agréable, Kegege International a transmis de la bonne humeur à toute la communauté éducative de Balmayo. Globalement, le cran de l'année scolaire 2020-2021 a effectivement démarré dans le chef-lieu du département du Nyon-Issou.